Bonjour à tous et bienvenue à Europa Park. On est ici pour 2 jours et on commence avec déjà une journée assez chargée, j'ai l'impression, niveau affluence. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, ça fait 7 ans que je ne suis pas venu à Europa Park. Valentin qui est avec moi. Bon, je n'y suis jamais venu. Jamais venu, exactement. Donc on va redécouvrir un petit peu l'ensemble du parc, les nouveautés évidemment récentes, mais aussi les grands classiques d'Europa Park et tout son lot de montagnes russes. C'est parti. Oh, und da mein Tor ist besser.
Aujourd'hui à Europa Park. On n'a pas fait grand chose encore. Hein. Ben non, parce qu'on a beaucoup d'attentes en moyenne. On a 40 minutes d'attente. 30-40 minutes en moyenne sur les grosses attractions. Du coup, on n'a toujours pas fait Eurosat Quentin Coaster, on n'a toujours pas fait Fire, on n'a toujours pas fait Vodan. Qui sont actuellement à plus de 70 minutes. Et on n'a toujours pas fait Voletarium non plus. Donc, ouais, assez compliqué comme journée. On est arrivé assez tard dans le parc. Il y a beaucoup de monde. Die vrouw die is direct maar op de tweede die had dan van.
Là il mouille un peu plus là déjà. Ah purée.
Voilà, la journée suit son cours. Il reste encore un peu de temps avant la fermeture du parc qui ferme à 20h. Toujours beaucoup de monde, mais on sent déjà que ça se calme un petit peu au niveau des temps d'attente. Donc on a quand même fait pas mal de coasters. Eurosat Cancan Coaster, je voulais évoquer cette nouveauté parce que c'est la nouveauté de l'année dernière mais qui a ouvert assez tard dans la saison. Eh bien franchement c'est un très très bon coaster. La rénovation est super. J'étais un peu sceptique au départ sur la thématisation qu'il allait avoir et le nom Cancan Coaster etc. Et en fait c'est extrêmement réussi. Donc vraiment bravo Europa Park pour ça. Parce que, hein, t'es d'accord ? Thématisé sur la France ? Ouais. Parfait. Moi j'ai aimé, adoré, c'est pareil. Ouais. Et puis son indoor et tout, c'est vachement cool, il est assez long. On a fait aussi Poséidon, on a fait le train fantôme. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait la Wild Mouse qui est en Suisse, Matterhorn Blitz. Les aquatiques. Oui, ça Poséidon, je l'ai dit. Ouais. Les deux aquatiques mouillent beaucoup, contrairement aux aquatiques qu'on a pu faire les jours précédents. Qui mouillent pas mal. Et Atlantica aussi, c'est vrai. Et donc là, maintenant, on se dirige vers les deux meilleurs coasters du parc, Vaudan et Blue Fire. On va essayer de faire les deux avant la fermeture. Si les temps d'attente ne sont pas trop élevés, ça risque de le faire. Sinon, bah, ça sera pour demain. Allez, c'est parti.
Ouais.